Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. C'est le capitaine Kirk et aujourd'hui les amis, on découvre 20 façons de tuer un villageois dans Minecraft. Si la vidéo vous plaît les amis, je compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche, ça me fait super plaisir. En plus comme ça les amis, on fonce tous ensemble au 1 million d'abonnés. Je compte sur vous tous pour vous abonner. Bonne vidéo. C'est parti! Alors les amis, on découvre 20 façons différentes de tuer un villageois. On commence directement les amis par la première façon. Regardez les amis, c'est très simple. On appuie d'abord sur le bouton rouge, de l'eau apparaît, regardez. Ensuite, on appuie sur le bouton jaune, regardez, un villageois va apparaître, regardez. Et les amis, comme il est coincé dans l'eau, il va commencer à prendre des dégâts puisqu'il n'a pas d'oxygène, vous voyez comme ceci. Et regardez les amis, il prend des dégâts petit à petit, cœur par cœur, regardez, jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. Donc ça les amis, c'est la première façon de tuer un villageois, regardez. On peut également les amis tuer 20 villageois d'un coup. Regardez, je réappuie sur le bouton rouge, l'eau apparaît, regardez, parfait. Ensuite, regardez, j'appuie sur le bouton vert. Et cette fois-ci, les amis, regardez, c'est 20 villageois qui se retrouvent en même temps coincés dans l'eau. Même principe que tout à l'heure, les amis, ils n'ont pas d'oxygène, du coup, ils prennent des dégâts, regardez, les amis. Et ils vont mourir, regardez, tous ensemble au même moment, regardez, quand ils se retrouvent à court d'oxygène, regardez, voilà, ils sont tous morts. On enchaîne directement, les amis, regardez, avec la deuxième façon de tuer un villageois, regardez, j'appuie sur le bouton, un villageois apparaît, les amis, regardez, j'appuie sur le bouton rouge, regardez, les amis, et ça fait apparaître un zombie. Donc, ça, les amis, classique, je vous rappelle que les zombies, ils attaquent les villageois directement, du coup, regardez, ils essaient de le tuer, voilà. Regardez, les amis, il est en train de le tuer, voilà, regardez, il le poursuit, hein, donc voilà, c'est plutôt rigolo, on aura une petite course-poursuite, regardez les amis, voilà, jusqu'à ce que les amis, le villageois, voilà, se retrouve sans PV. Et quand il le tue, les amis, petite surprise, le villageois devient lui aussi un zombie. Du coup, regardez les amis, on peut faire, en fait, on peut rendre ça encore plus fun, regardez, cette fois-ci, je vais faire apparaître 20 villageois, mais je vais aussi faire apparaître, regardez, un bon paquet de zombies. Et là, regardez les amis, c'est une bataille générale entre les zombies et les villageois, regardez les amis, hop, voilà, donc les villageois, les amis, se font attaquer par une horde de zombies, regardez, c'est plutôt rigolo, les amis, regardez, quand il les tue, les villageois se transforment eux aussi en zombies, vous avez vu, c'est plutôt rigolo, regardez les amis. Il reste quelques villageois qui restent sur le côté, regardez les amis, voilà, il en reste plus beaucoup, il en reste à peu près 3 les amis, plus que 2, il n'y a plus que 1, regardez. Et voilà, c'est tous des zombies maintenant, regardez, c'est plutôt rigolo. Et quand on appuie sur le bouton là les amis, eux juste ici, regardez, ils meurent tous, comme ça, voilà, ça fait le ménage. Ensuite les amis, on se dirige par là, regardez, on a plein d'autres façons pour tuer des villageois. Ici, regardez les amis, j'appuie sur le bouton, le villageois apparaît, j'appuie sur le bouton rouge, préparez-vous les amis, attention, attention, surprise. Ah c'est rigolo ça, regardez, il meurt par des feux d'artifice. Regardez les amis, en fait c'est des feux d'artifice qui explosent et qui lui font des dégâts. Regardez, ça fonctionne aussi avec plein de villageois, regardez, en même temps, voilà. Donc là les amis, voilà, ils prennent des dégâts à cause des feux d'artifice, regardez, voilà. Hop, à chaque explosion les amis, ils prennent un petit peu de dégâts, regardez. Et ça finit par les tuer. D'ailleurs, c'est plutôt efficace, regardez. Ça les tue vite en vrai, regardez. Hop, en quelques secondes seulement, regardez les amis. Hop, voilà, regarde, en quelques secondes, voilà, il meurt. Ah, c'est incroyable, c'est puissant ce truc, hein, franchement, c'est puissant. Alors, hop, regardez ici les amis, on passe hop à la façon de tuer suivante. On appuie sur le bouton ici, les amis, regardez, un villageois apparaît. J'appuie sur les boutons là, regardez, et là ça fait apparaître, regardez, les amis, un pillager, les méchants de Minecraft. Et les pillagers, les amis, tout comme les zombies, regardez, ils tuent les citoyens. D'ailleurs, regardez, il est plutôt efficace, enfin, il tue les villageois, pardon. Et regardez, les amis, il est plutôt efficace, hein. Il l'a tué en un coup, hein. C'est plutôt efficace, regardez. Là, les amis, j'en fais spawn plein, regardez, les amis. Et là, il a du boulot, regardez, il doit tous les tuer. Donc, on va lui donner un coup de main, on va en faire spawn plusieurs, voilà, comme ça. Ok, c'est bon, les amis, bataille générale, regardez, j'ai fait spawn plusieurs pillagers, et là, les amis, regardez, c'est une bataille acharnée, regardez, les amis, c'est plutôt rigolo. Donc, les villageois, les amis, voilà, se font attaquer par les pillagers, regardez, voilà. D'ailleurs, voilà, ils sont plutôt efficaces pour les tuer. Vous avez vu que comme ils tapent avec une hache en fer, en fait, ils leur font plutôt mal. Hein. Vous avez vu, les amis, qu'on l'a vu au tout début, ils les tuent en deux coups. C'est vraiment efficace, hein. Regardez, les amis. C'est plus efficace que les zombies de tout à l'heure, regardez. Voilà, donc il reste quelques villageois. Il en reste plus, les amis, que 3, plus que 2, plus que 1. Regardez, les amis. Voilà. Hop, voilà, regardez. Regardez, il est malin. Regardez, il court. Et là, quand j'appuie sur le bouton, ils meurent tous. Ok. Ensuite, nouvelle façon de tuer les amis, juste ici, regardez, j'appuie sur le bouton les amis, hop, regardez, un villageois apparaît, j'appuie sur le bouton rouge, un Wither apparaît, regardez, et il va tirer directement sur le villageois, regardez, hop, là, regardez, on va faire pareil avec 20 villageois cette fois-ci, c'est parti, regardez, 20 villageois d'un coup, on est parti, si j'appuie sur le levier ici, regardez, ça va énerver le Wither, regardez les amis, le Wither est maintenant énervé, regardez, et maintenant, il va tirer, on continue, regardez les amis, et il ne fait qu'une bouchée de ces pauvres villageois, regardez les amis, enfin, juste ici, qui se font littéralement pulvériser par le Wither. Bien sûr les amis, regardez, on a un bouton orange qui permet de faire spawn 50 villageois d'un coup, regardez, comme ça c'est un max de fun. Et on peut refaire spawn d'autres Wither, voilà, pour qu'il y ait encore plus de fun, regardez les amis. Là c'est la fête, il y a 2 Wither et 50 villageois, regardez. Et là les amis, regardez, les Wither les amis, ils tirent un maximum sur les villageois, regardez. C'est rigolo, on voit les villageois les amis qui meurent pas, regardez, ils se font littéralement pulvériser par les Wither, regardez les amis. C'est ultra puissant, regardez ça les amis. Hop, les villageois les amis se font totalement tirer dessus par les, regardez, les Wither. Il en reste quelques-uns les amis, regardez, il en reste 4 ici, quelques-uns de l'autre côté, regardez. C'est plutôt efficace, hein, vous avez vu les amis qui meurent assez rapidement, regardez, voilà. Hop, et quand on appuie sur le bouton ici les amis, hop, ça tue les Wither et on a enfin un petit peu de calme. Alors,
Maintenant les amis, on se dirige de ce côté-là. Nouvelle façon de tuer un villageois. J'appuie sur le bouton, un villageois apparaît. J'appuie sur le bouton, je regarde les amis. Et là, regardez les amis, il a droit à un magnifique, regardez, massage de cactus. Regardez les amis, le cactus les amis, à chaque fois qu'il touche le villageois, il prend un petit peu de dégâts, regardez les amis, voilà. Où qu'il aille d'ailleurs, il prend des dégâts, regardez, vous avez vu. Et du coup les amis, regardez, il finit par mourir à cause du cactus. Bien sûr les amis, on peut faire pareil, regardez, avec 20 villageois d'un coup, regardez les amis, voilà. 20 villageois d'un coup les amis qui se retrouvent, regardez. Hop, massé par un cactus, regardez les amis. Donc voilà, à chaque fois que le cactus, les amis, tous les villageois, ils prennent des dégâts, regardez, vous avez vu les amis. Hop, ils prennent des dégâts petit à petit, regardez. Et ils finissent, regardez, par mourir, regardez. Voilà, les uns après les autres. Nouvelle façon, les amis, de tuer un villageois, regardez. J'appuie sur le bouton, un villageois apparaît, regardez. J'appuie sur le bouton rouge, les amis, qui va ouvrir le toit, regardez. Ensuite, je fais apparaître un zombie avec le bouton vert ici, regardez. Le zombie va prendre feu, puisqu'il y a de la lumière, regardez. Et comme il est en feu, les amis, regardez, et qui touche le villageois, normalement, il va finir par l'enflammer, regardez, à son tour. Donc le but, les amis, en fait, c'est qu'il y a un zombie enflammé. Et quand il tape le villageois, voilà, il finit par l'enflammer, regardez. Et le villageois, du coup, les amis, il meurt à cause du feu et à la fois à cause du zombie, regardez. Hop, voilà. Donc là, il est à la fois enflammé, regardez, les amis, et il prend à la fois les dégâts du zombie, regardez. Voilà. Jusqu'à ce qu'à son tour, il se transforme lui aussi en zombie. Regardez les amis, hop, on peut faire pareil avec 20 villageois d'un coup. Je fais apparaître 20 villageois, je fais apparaître des zombies comme ceci, regardez. Les zombies prennent feu, et en tapant les villageois, regardez, ils finissent, les amis, par tous prendre feu. Regardez, voilà, les amis, ils sont tous en feu, regardez. On peut faire apparaître d'autres zombies comme ça, regardez. Et du coup, les amis, les villageois, comme vous pouvez le voir, regardez, se retrouvent enflammés et attaqués en même temps par des zombies. Hein. Du coup, les amis, c'est à la fois le feu et à la fois les zombies qui les tuent, regardez. Et on voit, les amis, que les villageois, regardez, ils meurent un par un, regardez, on les voit mourir, regardez, à cause du feu et à cause des zombies. On va remettre un zombie, voilà, comme ceci. Le zombie, les amis, il brûle parce que, regardez, à cause, au-dessus de lui, en fait, regardez, il y a la lumière, ce qui le fait brûler. Hop, allez les amis, il reste quelques villageois qui résistent un petit peu, regardez, voilà, on voit les villageois, les amis, regardez, qui se font tuer par les zombies et par le feu, voilà. Il en reste deux, vas-y zombie, vas-y, regardez, deux les amis, hop, allez, deux ici, on va refaire spawn un zombie pour donner un coup de main. Allez, vas-y, vas-y, ok, c'est bon, il est enflammé, allez, il n'y en a plus qu'un, vas-y, c'est un 1v1, vas-y, à toi. Ah non, il y en a deux encore, regardez, il y en a un autre là, regardez, on va refaire spawn un zombie. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, tu peux le faire, on compte sur toi, allez, vas-y. Ok, ok, les amis, on y est presque, regardez, il le tape, c'est bon. Il arrive à le toucher, ok, c'est bon, il en reste plus qu'un, allez, plus qu'un seul, un magnifique 1v1, c'est parti, vas-y, vas-y. Tu peux le faire, on compte sur toi, vas-y. Allez, tu l'as enflammé, bien joué, bien joué. Ok, encore un petit coup, vas-y. Encore un petit coup. Ah bah c'est le zombie qui meurt en premier, allez, on remet un zombie du coup. Et voilà, ça y est, plus de villageois, mission accomplie. Et on appuie, regardez sur le bouton rouge ici, voilà, ce qui enlève la lumière. Parfait. Alors, on se dirige maintenant par ici, regardez. Hop, on appuie sur le bouton, regardez, un villageois apparaît. Il est lancé, regardez, par des slime blocks en l'air. Quand il retombe, il prend des dégâts, regardez, c'est plutôt rigolo. Hop, il monte, il prend des dégâts. Il monte, il prend des dégâts, regardez les amis. Jusqu'à bien sûr les amis qui finissent par mourir des dégâts de chute, regardez. Hop. Encore un ou deux sauts, je pense. Voilà, et il finit par mourir. Ça, les amis, ça ne fonctionne qu'avec un seul villageois. Alors, maintenant, les amis, regardez, une nouvelle façon de tuer un villageois. J'appuie sur le bouton, un villageois apparaît. Bouton rouge, on est parti, les amis. Ah, regardez, c'est le piège de l'évocateur. Regardez, c'est plutôt rigolo. On va remettre plein de villageois, regardez, c'est super drôle ça, regardez, les amis. Voilà, c'est super efficace. Hein. Regardez, regardez, il meurt normalement, voilà, en 4 coups, regardez. En 4 coups, les amis, il meurt, regardez. 1, 2, 3 et 4, vous avez vu. Et il meurt tous en même temps. C'est stylé, hein. Franchement, j'aime bien. Franchement, c'est ultra classe ce truc-là, regardez. Franchement, j'aime bien. Alors, hop, façon suivante, les amis. On va passer juste là. J'appuie sur le bouton, regardez. Un villageois apparaît. J'appuie sur le bouton rouge, préparez-vous, regardez. Il y a un zombie. Le villageois, les amis, par réflexe, regardez. Il essaie de fuir le zombie et il finit par tomber dans la lave. Et c'est super drôle ça, regardez. Attendez, on va faire ça avec plein de villageois, regardez. Je vais parler plein de villageois. Les villageois, les amis, ils fuient le zombie. En fait, ils ont peur de lui, regardez. Et en fait, ils tombent dans des trappes sur les côtés remplies de lave. Ok. C'est super drôle, regardez. Du coup, c'est pas le zombie qui les tue en fait, c'est eux en fuyant qui se tuent en se mettant dans la lave, regardez. Donc là, ils fuient, voilà, et ils fuient dans la lave. Mais c'est ultra marrant ça, c'est excellent ça, regardez, hop. Regardez, il l'a poussé, il lui a mis un petit coup, il l'a poussé, regardez. Hop, voilà, regardez, il les pousse. Regardez, hop, allez, il va te pousser, hein, fais gaffe, hein. Allez, vas-y. Oh, c'est génial, regardez, c'est excellent ça, franchement. Alors, nouvelle façon de tuer un villageois juste ici, regardez. Oh, ça a l'air excellent, regardez. Ça a l'air drôle. J'appuie sur le bouton, un villageois apparaît. J'appuie sur le bouton rouge, regardez. TNT! Attention, ça a explosé. Boum! Alors, on va faire pareil avec 20 villageois d'un coup. On est parti, les potes. J'appuie sur le bouton rouge. Attention, les amis. Attention. Boum! Regardez, tous en même temps. C'est super classe, regardez. Oui, TNT, attention. Regardez, tous en même temps. Préparez-vous, regardez. Boum! Voilà! Excellent, franchement, regardez. Allez, encore une fois. On appuie sur le bouton, attention. Attention, boum, excellent. Alors, maintenant les amis, par ici, on n'a pas testé. On appuie sur le bouton, un villageois apparaît. On appuie sur le bouton, je regardais. Préparez-vous les amis. Hop, oh, une enclume, oh, c'est excellent ça. Regardez, avec plein de villageois les amis, c'est excellent. Regardez, j'appuie sur le bouton, préparez-vous. Ça s'ouvre, regardez. Boum, c'est génial. Franchement, c'est génial. Regardez, on appuie encore une fois sur le bouton. Regardez, hop, l'enclume va tomber. Boum, excellent. Alors,
Hop, nouvelle façon de tuer un villageois. J'appuie sur le bouton, un villageois apparaît. J'appuie sur le bouton rouge et regardez les amis. Ah, regardez, mort par suffocation. Du coup les amis, le sable tombe en fait au ras du plafond. Le villageois les amis se retrouve coincé dans le sable. Il prend des dégâts les amis petit à petit puisque en fait il n'a pas d'oxygène, regardez. Et il va finir, regardez, par mourir. Hop, et bien sûr les amis, regardez quand c'est terminé, le sable s'enlève tout seul. On peut faire pareil, regardez, avec 20 villageois. J'appuie sur le bouton, 20 villageois apparaissent, regardez. On appuie sur le bouton rouge, et cette fois-ci les amis, c'est 20 villageois qui se retrouvent en même temps coincés dans le sable, regardez. Même principe que juste avant les amis, les villageois n'ont pas d'oxygène puisqu'ils sont coincés dans les buffs, regardez, ils prennent des dégâts, voilà. Jusqu'à ce qu'ils finissent, regardez, par mourir, regardez, voilà. Et ensuite, le sable s'enlève, regardez, et il n'y a plus aucune trace des villageois. Ensuite les amis, nouvelle façon de tuer un villageois juste ici, j'appuie sur le bouton, attention un villageois apparaît, j'appuie sur le bouton rouge, regardez, et là les amis, hop regardez, c'est de la lave, regardez, il prend un bain de lave, regardez les amis, et il meurt très vite, hein. Vous avez vu les amis que la lave est extrêmement efficace, regardez, on va faire spawn 20 d'un coup cette fois-ci, hop regardez, je réappuie sur le bouton rouge, et là regardez les amis, vous allez voir, c'est extrêmement efficace, regardez, il meurt super vite dans la lave, hein. Franchement, incroyable, regardez, on peut refaire spawn les villageois, remettre la lave d'un coup, regardez, et les amis, regardez comme c'est efficace, regardez-moi ça les amis, allez là ils sont au milieu, attendez, on va réappuyer sur le bouton rouge. Ok, on dirait qu'ils sont, voilà, ok, ils étaient au milieu tranquille, regardez, voilà. Et là, regardez, vous avez vu comment c'est efficace ou pas? C'est extrêmement efficace. Alors, juste ici, les amis, nouvelle façon de tuer un villageois. Et je pense, vu les barreaux au-dessus, que ça va être un éclair. On va voir ça tout de suite. J'appuie sur le bouton, regardez, on fait spawn, regardez, un éclair. Ah oui, quand les villageois se font toucher par un éclair, ils se transforment en sorcier, regardez. Et là, on peut remettre un coup d'éclair, voilà. Puis encore un coup, les amis, voilà. Encore un coup, les amis, et la sorcière finit par mourir. Même principe, regardez, avec 20 villageois en même temps. J'appuie sur le bouton ici, 20 villageois apparaissent. Bouton rouge, ils se transforment tous en sorcière. Je remets un coup d'éclair, regardez. Encore un coup d'éclair, voilà. Encore un petit peu, voilà. Et ils finissent, regardez, par tous mourir. Plutôt génial. Alors, juste ici, les amis, nouvelle façon de tuer un villageois. Regardez, j'appuie sur le bouton, un villageois apparaît. J'appuie sur le bouton rouge, regardez. Et là, les amis, le villageois va commencer à se faire tirer dessus par des flèches, regardez. Et quand j'appuie, regardez, sur le levier, ça active le mode turbo. Il se fait maintenant tirer dessus également par le toit, regardez. Et regardez comme c'est efficace, les amis. J'en fais spawn plein en même temps, regardez, les amis. Et là, regardez, ils se font, les amis, littéralement bombarder de flèches, regardez, les amis. Voilà. Vous avez remarqué, les amis, que certains d'entre eux, regardez, quand ils sont au milieu, ils sont pas touchés encore. Hein. Vous voyez, ils sont protégés par les autres, regardez. Il y en a qui restent au milieu comme ça, regardez, voilà. Donc là, on les voit, les amis, ils meurent un par un, regardez. Il en reste pas tant que ça, regardez. Il y en a beaucoup qui sont morts, regardez. Voilà, il y en a encore un qui se fait pas toucher, regardez. Il se fait pas toucher lui. Ah, c'est bon, il se fait toucher, regardez. Donc là, il en reste pas beaucoup, regardez les amis. Il en reste pas beaucoup. Voilà, il en reste 4. Voilà, il en reste 3 maintenant. 2. Attention, les amis, plus que 2, plus que 1. Et c'est bon. Et on appuie sur le bouton rouge ici. Et là, voilà, comme ça, ça désactive. Hop, et on a enfin un petit peu de calme. Alors, on continue par ici, les amis, regardez. J'appuie sur le bouton, un villageois apparaît. J'appuie sur le bouton rouge, regardez. Ok les amis, j'ai compris. En fait, regardez, on appuie sur le bouton rouge, le villageois se transforme en sorcière, d'accord? Ok, maintenant le principe, en fait, regardez, c'est de le faire, mais avec beaucoup de villageois. On fait apparaître plein de villageois, on transforme, regardez ici, les villageois en sorcière, regardez. En fait, une fois qu'ils sont en sorcière comme ça, il y a une petite chance, regardez, qu'une sorcière balance une potion sans faire exprès sur une autre sorcière. Et en fait, dès qu'une sorcière fait ça, en fait, elles vont toutes commencer, voilà, à se battre, regardez. Donc là, il y en a une qui a balancé une potion, regardez, et là, regardez, elle commence la baston générale, regardez, voilà les amis. Donc là, elles sont en train, les amis, de se balancer les potions. Il y en a une qui a balancé une potion sans faire exprès, et ça a déclenché une guerre, regardez. Et donc là, les amis, les sorcières, en fait, vont commencer à se tuer entre elles, regardez, en se balançant des potions. Du coup, indirectement, c'est des villageois, hein, parce que voilà, c'est des villageois transformés en sorcières. Du coup, c'est comme si des villageois se tuer entre eux, regardez. Donc là les amis, voilà, elle se balance des potions, regardez, ça fait super mal, elle se balance des potions de dégâts et tout, etc. Regardez. Voilà, et vous avez vu que les amis, voilà, de temps en temps, il y a une sorcière qui n'arrive pas à prendre sa potion de santé à temps et elle finit par mourir, regardez. Donc là vous avez vu, baston général, regardez les amis. Hop, et elles vont finir les amis par tous se tuer. On va les laisser se battre tranquillou ici les amis. Et nous on va passer juste là. Alors, là les amis, regardez, on appuie sur le bouton, un villageois apparaît. J'appuie sur le bouton rouge, regardez ici les amis, encore une fois une sorcière. Cette fois-ci, j'appuie sur le bouton, elle a regardé un golem. Et le golem les amis, je vous rappelle que c'est l'ennemi des sorcières. Du coup, il tape la sorcière, regardez, plutôt rigolo. On va refaire la même chose, regardez, avec plein de villageois. Je fais apparaître plein de villageois, je les transforme en sorcières, regardez comme ceci, voilà. On va juste attendre les amis qu'ils ne brûlent plus, ok, ça va durer quelques secondes, comme ça vous allez voir, on va beaucoup mieux voir le combat. Donc là on va attendre les amis qu'ils arrêtent de brûler, voilà, ça devrait prendre quelques petites secondes, voilà. Ensuite on fait apparaître un golem, regardez les amis, et là regardez, baston général les amis, entre, regardez, le golem, regardez ici les amis, et les sorcières. Donc c'est parti, regardez, on va faire spawn un deuxième golem, voilà, comme ça c'est une vraie baston général, voilà. Et regardez les amis, les sorcières se battent contre les golems. Donc, vous avez vu qu'elles peuvent lancer les potions, elles peuvent les attaquer, tout, etc. Donc là vous avez vu les golems. Comme je l'ai dit, comme c'est les ennemis des sorcières naturelles, en fait, ils les attaquent. Je vous rappelle, les amis, que les golems, ils attaquent tous les monstres de Minecraft. Hein. Ils attaquent les zombies, les squelettes, les creepers, tous les amis, tout ce qui représente, les amis, une menace, en fait, pour les villageois. Ok, les amis, le combat avance, regardez. Les sorcières, les amis, ont perdu le combat face aux golems, regardez. Les golems, les amis, ont largement l'avantage, regardez. Voilà. Il en reste deux, les amis, il en reste une ici. Voilà. C'est bon. Et quand on appuie sur le bouton, regardez, voilà, ça fait le ménage. Alors,
Nouvelle façon de tuer un villageois, les amis, juste ici, j'appuie sur le bouton, un villageois apparaît, j'appuie sur le bouton rouge, regardez, et un creeper, boum. Ah oui, c'est excellent, c'est comme la TNT de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, c'est un creeper, regardez. On va faire pareil avec plein de villageois, regardez, plein de villageois, boum, un creeper, attention, boum. Ah, regardez, il y en a qui ont survécu, allez, on va remettre un creeper du coup, boum. Ah, c'est génial, regardez, hop, attendez, si on met deux creepers en même temps, qu'est-ce qui se passe? Un creeper, puis un deuxième, regardez, attention, ah oui, le premier a fait exploser le deuxième, regardez. Boum! Excellent! Regardez ici, les amis, une nouvelle façon de tuer un villageois, regardez, c'est, les amis, un réfrigérateur. Regardez, pour qu'on voit mieux, regardez, je vais remplacer les blocs de glace par des blocs invisibles, comme ça on va mieux voir, regardez, voilà, comme ça on a une belle vision, voilà, hop. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire ça, regardez, les blocs invisibles vont de nouveau disparaître, regardez, ça prend quelques secondes, voilà, c'est bon, on les voit plus. Maintenant, regardez, villageois, j'appuie sur le bouton, regardez, les amis, et là, regardez, réfrigérateur, les amis, le villageois se retrouve congelé dans la glace, regardez. Hop, donc là, les amis, même principe que tout à l'heure avec le sable, il ne peut pas respirer, du coup, regardez, il prend des dégâts, regardez, petit à petit, voilà. Jusqu'à ce qu'il meure. Hop, on peut faire pareil, regardez les amis, avec plein de villageois d'un coup. Regardez, j'appuie sur les boutons, plein de villageois apparaissent. Et hop, on active le frigo, regardez. Hop, le réfrigérateur s'active, regardez les amis. Les villageois se retrouvent coincés dans le réfrigérateur, regardez. Hop, et ils prennent des dégâts puisque, hop, ils sont coincés dans la glace. Regardez les amis, ils finissent, regardez, par tous mourir. Voilà, et bien sûr après, le réfrigérateur se désactive et plus aucune trace des villageois. Voilà, bon du coup les amis, c'était 20 façons différentes de tuer un villageois dans Minecraft. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas les amis, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça me fait extrêmement plaisir. En plus comme ça les amis, on fonce tous ensemble au 1 million d'abonnés. Je compte sur vous tous pour vous abonner. A plus sur les prochaines aventures. Ciao tout le monde.